Christine Beaulieu. Pareil, Christine, désolé, je ne suis pas dit bonjour. Monsieur Prinochet s'est excusé, il a donné procuration à monsieur Lévitz-Bull. Madame Valérie Masson-Ragusa est excusée, elle a donné procuration à madame Beaulieu. Et enfin, Marjolaine de Châtelet. Je vous remercie à tous donc de votre présence aujourd'hui. Avant d'ouvrir l'ordre du jour, je souhaitais vous rappeler que ce dimanche se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Bien entendu, j'appelle chacun d'entre vous à remplir son devoir civique, mais je ne doute pas que vous saurez le faire. Et je vous invite aussi à venir nous prêter main forte et à travailler à l'organisation de ces élections en tant qu'assesseur de président de bureau. C'est Serge Amban avec M. Labourère qui ont été chargés de la coordination de tout ça. Et je vous remercie à tous de prendre part à ça. Et je remercie aussi les élus de position qui ont su se rendre disponibles pour ces échéances. Je remercie tout le monde et j'adresse aux Sociétois qui nous regardent éventuellement un message fort et simple: votez pour qui vous voulez, mais votez s'il vous plaît. Nous passons donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal du 4 avril et je mets donc à l'approbation le compte rendu et le procès verbal de la séance du 10 février 2022. Est-ce qu'il y avait des observations? On vous écoute, Madame Campana. Ça va arriver de quelques secondes. Ça marche là? D'accord. Alors effectivement, j'ai été déclarée inaudible sur le sujet numéro 7, c'est-à-dire à la page, c'est sur la page 23 du compte rendu. Mon intervention et tout ce qui est en gras derrière ressortent plutôt du dossier numéro 7. Qui est le retrait de l'avis d'enquête publique. Et la question que j'avais posée, c'était la raison du retrait de cette enquête publique. Et page 27 aussi, j'ai été inaudible sur... J'y vais. C'était sur quoi? Le tableau des effectifs. J'avais demandé s'il y avait un remplacement de l'agent qui travaillait au service informatique et qui est parti. Voilà, c'était ça les questions. Donc, voilà, on va demander à ce que ça soit rajouté si possible là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres observations? Oui, moi j'ai. Alors, pareil. Voilà, quelques secondes. J'ai une observation à faire sur le point numéro 10. Ah, pardon. Sur le point numéro 10, l'attribution d'une aide financière à la coopérative scolaire de l'école primaire Jules Ferry. Donc sur le dernier, oui, sur le dernier... Page 25, oui. Donc, lors du précédent conseil municipal, notre groupe avait décidé de s'abstenir sur la délibération concernant la subvention de la mairie pour la classe de neige de l'école Jules Ferry, car Madame Bonneau, adjointe à l'éducation, nous a dit avoir été agressée par des parents d'élèves. Or, en lisant le procès-verbal du conseil d'école de Jules Ferry du mardi 22 février, nous apprenons qu'il n'en est rien. La réunion avec les parents d'élèves a été cordiale et non agressive. De plus, Madame Bonneau nous a dit qu'elle avait téléphoné au centre pour pouvoir établir la délibération pour le jour du conseil. Or, cette délibération avait été établie par Madame Santini, directrice du pôle enfance-famille. Donc voilà, nous interrogeons donc sur le fait que vous auriez menti, Madame Bonneau, ce qui serait regrettable de la part d'une élue. Comme on s'est... Alors, par rapport donc au compte-rendu et au procès-verbal, qu'est-ce que vous souhaitez de faire modifier sur le procès-verbal par rapport à ça? Nous, on est un peu choqués que Madame Bonneau, on a été très émus de son intervention. Je pense que on a montré notre collaboration en s'abstenant sur ce point. Et dans le compte rendu du Conseil, donc il est dit que dans le compte rendu du Conseil d'école. D'école. Là, on parle du compte rendu du conseil municipal. Non, le conseil d'école. D'accord, donc tout de suite, très rapidement, pour vous éclairer là-dessus, comme ça va aller très vite. Vous parlez de la réunion qui a eu lieu le soir avec les parents d'élèves et qui s'est effectivement bien passée, comme on atteste le conseil d'école. Les incidents se sont produits dans la matinée et dans l'après-midi devant mon bureau et les secrétaires qui sont présentes étaient présents. Mm-hmm. Donc il y a tout un tas de gens qui pourront attester de la véracité de ces événements. Qu'ils ne se sont pas produits à la réunion
que nous avons eu le soir avec les parents et qui effectivement s'est très bien passé, comme l'indique le document que vous avez sous les yeux. Donc je pense qu'il y a une petite confusion à ce niveau-là. Sur le procès-verbal de la séance, on est d'accord que ça change pas les non, choses. Non, ça voilà, c'était juste apporter un point. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les comptes rendus et les procès-verbaux de la dernière séance, Monsieur Herpin? Oui. Donc, merci. Monsieur le maire, comme vous l'avez demandé lors du dernier conseil municipal après mon intervention et noté dans le PV, nous avons vérifié avec les comptes rendus des conseils municipaux et auprès des anciennes DGS. Et nous pouvons confirmer ici que la commune de Saucé-les-Pins n'a jamais voté un budget avant le vote du compte administratif et du compte de gestion. Donc, nous ne remettons pas en cause votre décision. Nous sommes seulement étonnés, mais nous avons bien entendu que nous devions nous faire à l'idée que vous prenez le droit de faire ce que vous voulez. Oui, écoutez, je ne vais pas rebondir sur votre remarque, mais oui, effectivement. On a modernisé nos pratiques et effectivement, on fait un petit peu différemment dorénavant. Y avait-il d'autres observations sur le procès-verbal et le compte-rendu de la dernière séance? Je vais donc passer le compte-rendu au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons donc, excusez-moi, hop là, je vais l'enlever, ça va aller plus vite, aux décisions du maire, donc prises entre le 4 février et le 28 mars 2022, pour approbation. Parfait. Je vous informe donc, au tout début de l'ordre du jour, ça a été indiqué à M. Levinspul, et que donc la délibération numéro 5, qui est l'octroi de garantie, c'est bien ça Stéphane, hein, la numéro 5, donc est ajournée suite à des nouveaux éléments qui nous sont parvenus aujourd'hui et qui nous font modifier cette décision. Nous passons donc à la désignation pardon, du secrétaire de séance. Monsieur Perverne n'étant pas là, je vais désigner Madame Marion Neff comme secrétaire de séance si nécessaire. On commence donc tout de suite avec la fixation des nouveaux tarifs des concessions sur les cimetières, qui est la première délibération. Je vous lis rapidement la note explicative. Les nouveaux tarifs proposés prennent en compte les dépenses devant être supportées par la commune, notamment le coût engendré par la création d'un nouveau columbarium de 12 cases au niveau de l'ancien cimetière. Il est proposé d'augmenter les tarifs pour les concessions et les cases de columbarium qui n'ont pas été modifiées depuis le 10 avril 2018. Le tableau annexé à la présente note précise les nouveaux tarifs applicables dès que la délibération sera exécutoire. Il est dès lors proposé aux membres du conseil municipal d'adopter les nouveaux tarifs de concession et de cases des columbariums et des cimetières communaux. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, on vous écoute. Bonjour, je voudrais intervenir. Donc, on est conscient des enjeux économiques de la commune. Oui. Mais nous trouvons que les augmentations sont trop importantes. D'accord. Il y a des points qui nous semblent quand même de pratiquement du simple au double. Et Alors, est-ce que peut-être, dans votre travail de conseiller municipal, vous avez regardé les tarifs qui étaient pratiqués dans les communes alentours? Puisque malgré ces augmentations, nous restons la commune la moins chère du coin, loin derrière en Suesse, Carie et les autres communes alentours. Sachant que je précise un autre élément qui me paraît quand même assez important de préciser, c'est que nous n'avons quasiment plus ou très peu de places de disponibles et que du coup, nous sommes obligés de jongler au niveau des cimetières avec les terres pour permettre à des gens donc, de se faire, qui n'auraient pas éventuellement de concession, de se faire enterrer, puis au bout d'un an ou deux, d'être sortis, puis d'être mis finalement dans des concessions définitives, ce qui peut entraîner quand même pour les familles des traumatismes non négligeables. Il me semble quand même assez fou d'être en même temps la commune qui a le moins de concessions et de caveaux et de cases de columbarium disponibles, et en même temps être la moins chère du département. C'est pour ça aussi qu'on remet un petit peu ça en ordre. J'ai une amitié assez importante pour Monsieur Hilac à en Suesse, mais contrairement à en Suesse, on n'a pas eu la chance de se faire payer un cimetière à 3 millions d'euros par la métropole, qui est redevenu communal un an plus tard et qui est aujourd'hui vendu
par la commune d'Ansuès, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc, c'est quand même, si vous voulez, un équilibre qui nous paraît logique. Et vraiment, je vous invite à regarder les tarifs des communes alentours. On était de loin les moins chers, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'avait plus de place. Et aujourd'hui, on essaye de retrouver des niveaux qui sont plus importants. Je rappelle aussi quand même, ça me paraît important, quand on voit 2160 euros, ça peut paraître assez une somme importante, mais quand on la divise par 50 ans, puisque c'est un contrat qui court sur 50 ans, ça fait 48 euros par an. Donc on n'est pas non plus sur des tarifs exponentiels là-dessus. Donc j'entends que, qu'en tant qu'opposant, vous veillez à ce qu'on n'augmente pas trop de tarifs, etc. Et c'est vrai que les augmentations sont importantes, mais nous les assumons et nous voulons aller dans cette direction-là. Petit 1, parce qu'on n'a plus de place, et petit 2, parce qu'aux alentours, c'était déjà ces prix-là qui étaient pratiqués. Voilà. Bon, j'ai effectivement pas regardé les... Je crois qu'on a un tableau comparatif, on va vous le faire passer, comme ça vous aurez tous les éléments là-dessus. Mais bon, comme c'est très cher quand même de se faire... C'est malheureusement le cas. Après, je vous répète, le principal souci au-delà du prix qu'on a associé, c'est qu'on n'a plus de place et qu'on a des familles qui viennent nous voir, qu'on est obligé de faire des transferts et tout, c'est très très compliqué. Je crois que c'était déjà le cas lors de la précédente mandature. Et pour l'instant, on a du mal à trouver des solutions là-dessus, puisque le cimetière, on a du mal à l'agrandir. Je vais laisser la parole quelques secondes à M. Abran, qui a cette délégation et qui voudrait préciser certaines choses. Oui, mais Madame Beaulieu, les tarifs, comme l'a dit M. le maire, ils sont à peu près pareils que, et même en dessous que les autres communes. Par contre, quand vous parlez que c'est relativement cher, vous avez raison. Mais vous savez qu'à Saussay, il y a des gens auparavant qui achetaient les concessions avant de mourir, mais ils les achetaient à 60, 70 ans. Et pendant tout ce temps-là, ces concessions étaient bloquées. Donc, ce qui fait qu'il y a même des gens qui ont revendu parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas morts. Et à partir de là, on se retrouve... Ouais, non, mais voilà. Ils ont acquis l'éternité, peut-être. Voilà. Et nous, on se retrouve, comme l'a dit M. le maire, dans une grosse problématique. Alors d'aujourd'hui, la commune va investir sur les deux cimetières pour créer un columbarium et aussi des caveaux. Mais nous manquons deux cimetières. Et il va falloir qu'on trouve un terrain pour construire un nouveau cimetière. Voilà. Il faut savoir qu'un samedi, on m'a dérangé parce qu'on n'avait plus du tout de place. Il a fallu qu'on téléphone pour enlever une personne qui était dans notre caveau commun pour la placer dans son caveau qui venait juste d'être terminé. Donc ça, on ne peut pas jongler comme ça pendant des années. Voilà. Merci Robert. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons donc à une délibération suivante que je suis assez contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui, qui concerne Madame Toledano. Ça fait presque 9 mois que ça traînait et qu'on avait des gros soucis. Madame Toledano doit faire effectuer un ravalement de façade ainsi que l'isolation de sa maison qui est au niveau de l'avenue des Belges. Pour ceux qui connaissent très bien l'avenue des Belges, c'est au niveau du rond-point à l'intersection avec l'avenue du Grand Fossé. Et en fait, c'est la parcelle communale qui est à droite là. C'est la maison qui est juste à côté. En fait, Madame Toledano a besoin d'installer un échafaudage à cet endroit-là pour faire chez elle. Et ça faisait des mois et des mois que la balle était renvoyée entre l'ONF, la métropole, le département. Finalement, on a pris la décision de prendre cet arrêté pour pouvoir lui permettre de faire ses travaux. Et je remercie le service urbanisme pour ce long chemin de croix. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette convention d'occupation? Nous passons donc au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Alors on va maintenant reprendre une délibération qui avait été présentée la dernière fois et c'est vrai qu'il manquait notamment les tarifs pour la salle des arts et certaines salles qui n'étaient pas annexées. Donc on a décidé effectivement, comme on vous l'avait indiqué la dernière fois, de revoir les choses de manière beaucoup plus générale et de faire toutes les salles d'un coup. Et voilà donc le résultat de notre travail. Il y a quelques changements avec quelques augmentations, quelques baisses aussi. Pourquoi certaines augmentations et pourquoi certaines baisses? On a baissé les produits qu'on ne vendait pas, là où on voyait qu'au niveau tarif, on n'était pas concurrentiel et que ça posait problème. Et on a augmenté
les demandes qui étaient récurrentes et les endroits où on avait beaucoup de demandes et où on avait beaucoup de gens qui voulaient louer les salles. Donc il y a une augmentation, il y a une baisse sur les manifestations payantes avec les jours supplémentaires qui sont mis en œuvre. Il y a des salles de réunion qui sont mises donc dorénavant à disposition des syndics et des choses comme ça pour y faire des réunions pour l'immobilier, des choses comme ça, de manière payante. Mais c'était intéressant aussi de pouvoir faire cette mise à disposition pour les Saucétois. Et donc les changements principaux ont été mis en jaune. Parfois, il s'agit juste d'arrondir certaines sommes ou de les modifier. Il y a aussi un changement qui a eu lieu sur le montant de certaines cautions, puisque pour certains matériels, leur valeur a grandement baissé. Donc ça ne sert plus à rien de demander 5000 euros de caution quand le matériel n'en vaut plus que 1000. Et par contre, sur d'autres cautions, à l'inverse, là, ça a un petit peu augmenté. Par exemple, pour la salle des arts, il y a une caution de matériel qui a un peu augmenté parce qu'on met dorénavant plus de matériel à disposition. Est-ce qu'il y avait des observations sur cette délibération? On vous écoute. Juste une petite question, monsieur le maire. Oui. Est-ce que les associations qui font des activités sportives payantes, pour lesquelles les adhérents payent une redevance concernant l'utilisation de la salle? Alors non, il n'y a pas de redevance au niveau de ces associations. Par exemple, quand le basket joue au basket à l'intérieur, il facture certes une licence à ses licenciés, mais nous, la mairie, nous ne faisons pas payer le basket. Il s'avère qu'en fait, ça s'appelle des subventions indirectes, toutes ces salles qui sont mises à disposition aussi pour ces associations-là. Donc il y a aussi un travail qui est fait par Madame de Gaspard à ce niveau pour recenser ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas vocation à faire payer tout ce qui passe par ces conventions et ces créneaux qui sont attribués, bien entendu, puisque ça étoufferait complètement nos associations et qu'on a à cœur de les aider et pas de les embêter dans notre travail. Ok, merci. Avec plaisir. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous allons donc passer à la détermination des taux de contribution foncière. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le taux communal n'a absolument pas évolué. Donc, on est sur une stabilisation des impôts sur cette année 2022. Avec, bien entendu, je pense que c'est important de le préciser, la base, donc la partie qui est calculée par l'État, va augmenter de 4 points. Donc, mécaniquement, vous allez payer un petit peu plus cher en impôts puisque les bases vont un petit peu augmenter sur ce que l'État vous fait payer. Le taux ne change pas, mais la base, elle, va un petit peu augmenter. Donc, on pense avoir une augmentation, on avait dit, de l'ordre de 2%, c'est ça? Comment? 3,4% donc en valeur absolue parce que l'État a changé les taux, la base, pardon, mais les taux communaux, et ce que nous décidons, restent stables et nous gardons le même taux de référence là-dessus. Mais voilà, c'était important pour nous de donner ces éléments-là. Est-ce qu'il y avait des questions à ce sujet? Parfait, on va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Je me rends compte que c'était peut-être à Stéphane de présenter cette délibération, mais je te laisse la parole alors, Stéphane, excuse-moi. Ça n'a pas d'importance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, le point 5 a été ajourné, l'octroi de garantie aux créances d'affaires. On va passer au point 6 sur la convention d'accompagnement à la fiscalité locale sur les résidences secondaires vacantes. Alors, le point 6 et 7 sont des points qui sont finalement assez semblables dans le sens où on fait appel au même organisme qui s'appelle Ecofinance. Le principe, alors je vais prendre ma délibération. Alors, en synthèse, que tout le monde comprenne. Donc, les perspectives de ressources financières incertaines dans un contexte sanitaire et social instable avaient amené la collectivité à confier à Ecofinance une mission de diagnostic des ressources du territoire. L'analyse a fait l'objet d'un rapport identifiant des pistes de travail possibles pour optimiser les ressources de la collectivité. Compte tenu des contraintes de gestion extrêmement fortes auxquelles doit faire face la collectivité, elle souhaite mettre en œuvre dès 2022 certaines préconisations afin d'assurer l'équité des contribuables face à l'impôt et améliorer les ressources de la commune. L'un des leviers d'optimisation identifiés concerne les logements vacants. Le diagnostic a mis en évidence, selon les sources cadastrales 2020, 342 logements vacants, soit 6,3% du parc global. Les propriétaires de ces logements vacants sont pour 32% des propriétaires saucétois, 42% des propriétaires habitant le département et 26% des propriétaires habitant hors département.
Pour rappel, la taxe d'habitation est maintenue pour les résidences secondaires. Elle concerne les logements meublés non affectés à l'habitation principale et utilisés à des fins personnelles ou familiales. Elle est payée par le propriétaire du logement au même titre que la taxe foncière. Le taux en vigueur est celui de la taxe d'habitation de la commune, 14,51%. Le travail consiste donc à analyser les bases fiscales des locaux d'habitation déclarés vacants pour en extraire les résidences secondaires omises du rôle de la taxe d'habitation. La rémunération d'Écofinance est proportionnelle au résultat. On l'a vu préalablement, donc il récupère un pourcentage de ce qu'il pourrait faire gagner à la commune. La base de rémunération sera déterminée par toutes les augmentations ou régularisations de ressources constatées sur les signalements effectués à partir des préconisations d'Écofinance et retenues, puis adressées par la collectivité à l'administration fiscale. L'identification des anomalies étant effectuée à partir des données de l'administration fiscale et confirmée par la collecte d'informations conduite par Écofinance, l'optimisation constatée de ressources ne pourra être attribuée au travail parallèle de cette administration. Cette rémunération portera sur les rôles supplémentaires et ou complémentaires, 2 années de variation des ressources fiscales, 2 années d'augmentation de toute allocation et attribution compensatrice d'origine fiscale. Compte tenu du calendrier fiscal et du rythme d'instruction des services de l'État, les augmentations de ressources pourront être constatées sur plusieurs exercices fiscaux suivant la transmission par la collectivité des informations à la DGFiP. Les honoraires d'Écofinance hors taxes seront égaux à 35% de l'augmentation de ressources constatées suivant les termes de l'article à la rémunération proportionnelle au résultat. Le montant cumulé des honoraires de cette convention est limité à 39 900 €. Donc ça, c'est un plafond que Écofinance ne dépassera pas, quel que soit le montant qu'il pourrait faire gagner à la commune. Ce qu'on pourrait et ce qu'on devrait payer à Écofinance ne pourra pas dépasser 39 900 € hors taxes. Dans l'hypothèse où la mission ne dégagerait aucune optimisation, Écofinance ne percevra donc aucune rémunération variable puisqu'il est en quelque sorte payé au succès. Il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal de conclure avec Écofinance une première convention d'accompagnement à la fiscalité locale en vue de mettre en œuvre les préconisations issues du diagnostic concernant les bases fiscales des locaux affectés à des résidences secondaires vacantes. Y a-t-il des questions ? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour l'unanimité. Alors le point 7, le point suivant est un peu le frère de celui qu'on vient de voir. C'est toujours avec Écofinance, sauf que là on ne parle plus de logements vacants, mais de reclassement des logements insalubres et intégration des éléments de confort. Donc là c'est pareil, on a sollicité Écofinance qui avait fait une étude préalable et qui avait identifié de réelles sources possibles de gains pour la collectivité sur des réajustements, notamment de catégories de classification de logements. Alors, je vous lis la synthèse rapidement. Les perspectives de ressources financières incertaines dans un contexte sanitaire et social instable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'analyse a fait l'objet d'un rapport identifiant des pistes de travail possibles pour optimiser les ressources de la collectivité. Compte tenu des contraintes de gestion extrêmement fortes auxquelles doit faire face la collectivité, elle souhaite mettre en œuvre dès 2022 certaines préconisations afin d'assurer l'équité des contribuables face à l'impôt et améliorer les ressources de communes. L'un des leviers d'optimisation identifiés comme le reclassement des logements insalubres et l'intégration des éléments de confort dans les habitations. L'un des leviers d'optimisation identifiés, je viens de vous le dire, le premier travail consiste à reclasser les logements insalubres dans la bonne catégorie d'après leurs caractéristiques réelles. En moyenne, le reclassement d'un logement fiscalement insalubre augmente le produit fiscal de 370 € pour la part communale. Le diagnostic a identifié 39 logements potentiellement concernés. Ce sont ceux, pour ceux qui connaissent, ce sont les logements qui sont de catégorie 7 et 8. La rémunération d'Écofinance se décompose comme suit. Un prix forfaitaire de 7 500 €, une rémunération proportionnelle à l'augmentation des recettes fiscales constatées et consécutives aux travaux techniques menés. La base de rémunération sera déterminée par toutes les augmentations ou régularisations de ressources constatées par les signalements effectués à partir des préconisations d'Écofinance et retenues, puis
adressée par la collectivité à l'administration fiscale. L'identification des anomalies étant effectuée à partir des données de l'administration fiscale et confirmée par la collecte d'informations conduite par Ecofinance, l'optimisation constatée de ressources ne pourra être attribuée au travail parallèle de cette administration. Cette rémunération portera sur les rôles supplémentaires et ou complémentaires, 2 années de variation des ressources fiscales constatées, 2 années d'augmentation de toute allocation et contribution compensatrice d'origine fiscale. Compte tenu du calendrier fiscal et du rythme d'instruction des services de l'État, les augmentations de ressources pourront être constatées sur plusieurs exercices fiscaux suivant la transmission par la collectivité des informations à la DGFiP. Les honoraires d'Ecofinance, même principe, seront égaux à 35% du gain constaté au-delà de 7 500, soit au-delà du prix forfaitaire, de l'augmentation de ressources constatées suivant les termes de l'article, la rémunération proportionnelle du résultat. Le montant cumulé des honoraires de cette convention est limité à 39 900 euros. On l'a vu tout à l'heure et c'est le même principe. Dans l'hypothèse où la mission ne dégagerait aucune optimisation, Ecofinance ne percevra aucune rémunération variable. On parle bien de variable. Là, on est d'accord que le forfait de 7 500, par contre, lui, reste réduit. Il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal de conclure avec Ecofinance une seconde convention d'accompagnement à la fiscalité locale en vue de mettre en œuvre les préconisations issues du diagnostic concernant le reclassement des logements insalubres et l'intégration des éléments de confort. Alors, ce que je voulais juste rajouter, c'est que ces deux études menées par Ecofinance, ils ont fait un chiffrage estimatif de ce qu'ils pourraient récupérer pour la commune. Et on serait de l'ordre de 90 000 euros à peu près sur les deux conventions, hein, logement insalubre plus reclassement. Donc à ça, on enlève les 35% plafonnés à 39 000. Donc vous faites le calcul vous-même, mais sur 90, on aurait un peu plus de 50 000 euros que la commune pourrait récupérer. Avez-vous des questions sur ce point-là? Je vous propose donc que nous passions au vote. Qui est contre? Marjolaine, peut-être? Je ne sais pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Alors, nous allons passer au point 8 de notre ordre du jour, qui est la décision modificative numéro 1. Alors, je vais vous faire part de la note de synthèse. Les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année après le vote du budget à des ajustements comptables. Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales tout en respectant l'équilibre du budget. La collectivité avait envisagé en 2021 une stratégie de refinancement de 4 emprunts. On en avait fait 3 pour rappel l'année dernière et on ne pouvait faire le 4e qu'en début d'année 2022, puisque la SFIL, qui est donc l'organisme bancaire qui est concerné par ce 4e emprunt de refinancement, n'a pas, contrairement aux 3 autres, voulu décaler la date anniversaire du remboursement de l'échéance et nous avait obligé à ne pouvoir envisager un refinancement qu'à compter du 1er janvier 2022. Donc 3 emprunts ont été refinancés sur l'exercice 2021. Un bon pour accord avait été signé en novembre 2021, marquant la volonté de la commune de procéder au remboursement du 4e emprunt détenu auprès de la SFIL pour un montant de 524 768,90 € en capital restant dû en vue de son refinancement sur l'exercice 2022. Donc effectivement, la commune s'était engagée sous la forme de la signature d'un document auprès de la SFIL à procéder au remboursement de l'emprunt en janvier 2021. Mais ça avait été décidé en novembre 2022 pour le remboursement. Cependant, considérant l'augmentation des taux d'intérêt d'emprunt depuis la fin de l'année 2021, et la stratégie de gestion patrimoniale de la commune permettant de générer des recettes d'investissement via la vente de biens immobiliers, le refinancement n'apparaît plus à ces jours comme favorable à la commune. Il est donc décidé de procéder au remboursement du 4e emprunt, tel que nous y oblige la cotation de remboursement anticipée signée, et de ne pas refinancer ce 4e emprunt permettant ainsi de désendetter la commune. Considérant la nécessité d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement et d'investissement du budget principal pour donner suite au remboursement d'emprunt, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette décision modificative selon le détail suivant.
Alors, effectivement, quand en novembre, on avait décidé auprès de la SFIL et on avait confirmé notre intérêt de refinancer ce quatrième emprunt, entre-temps, des choses sont venues se greffer, une situation et un contexte national et international qui aujourd'hui est largement défavorable à la commune dans le sens où tout ce qui arrive depuis ces derniers mois et ces dernières semaines grève le budget. Donc on s'était dans un premier temps rapproché de la SFIL en leur demandant purement et simplement d'annuler le remboursement du crédit en disant écoutez, le contexte a évolué, donc on resterait sur l'emprunt initial et on ne touche plus, on ne refinance plus ce quatrième emprunt. Donc il y a eu des discussions et au final, la SFIL n'a pas de solution pour cette annulation entre guillemets de décision de remboursement anticipé. Donc elle nous oblige officiellement à rembourser l'emprunt qui avait été décidé en novembre. Par contre, aujourd'hui, refinancer cet emprunt n'est plus intéressant pour la commune. Si on le refinance en l'état, les taux, vous vous rappelez, l'année dernière, c'était 0,47. Là, on est presque à 1,30 aujourd'hui. Les IRA plus un taux qui, aujourd'hui, est moins favorable, ce n'est plus une opération qui est intéressante pour la commune, puisque globalement, on réendetterait la commune pour quasiment 60 000 euros si on avait décidé de refinancer le crédit. Donc, on a préféré dire le crédit, on ne le refinance pas, on ne va pas contracter un nouvel emprunt, on va purement et simplement rembourser l'emprunt à la SFIL. Et donc, désendetter la commune sur la partie capitale du capital restant dû. Donc l'opération, la décision modificative, vous explique en détail comment on équilibre tout ça parce qu'il faut l'équilibrer après comptablement. Donc vous avez une première partie sur la section de fonctionnement qui concerne donc la partie IRA, ces fameux intérêts de remboursement anticipé, qui sont très élevés, vous pouvez le remarquer, 155 000 sur 660 000 au total que nous devions si on était allé jusqu'au bout de l'emprunt. Donc 155 000, ça représente énormément. Mais pour information, et que tout le monde le sache quand même, c'est que à la SFIL, la commune rembourse 66 000 euros d'échéance annuelle, et sur ces 66 000 euros, il y a quand même plus de 25 000 euros rien que d'intérêt. Donc on comprend maintenant pourquoi les IRA sont de 155 000. Donc pour équilibrer en section de fonctionnement, donc en recettes, nous avons 120 584 sur le chapitre 70 et 34 443,64 au chapitre 13. Alors le chapitre 70... vous avez, c'était sur les gestions, nouvelle modalité de gestion titulaire de la DSP des concessions. Donc, on avait potentiellement ne pas intégrer, on avait par prudence, bon, c'était peut-être une prudence un peu exagérée, monsieur le maire, peut-être que vous me le direz, mais on n'avait pas intégré du tout la partie variable des concessions sur les nouvelles tarifications que nous avions apportées. Donc, on intègre ces 120 594 euros qui sont en fait la partie variable des concessions et qu'on n'avait pas sur le budget initial voté en début d'année. Et sur le chapitre 13, donc c'est au titre du remboursement de notre assurance statutaire, on avait été là pareil très prudent puisqu'on avait eu 160 000, on avait mis inscrit en BP 22 100 000. Donc si on rajoute 34 000, on est encore bien en dessous de ce qui avait été réalisé en 21. Donc on a encore une marge et on reste encore très prudent. Donc on arrive bien à équilibrer notre section de fonctionnement à hauteur de 155 038,54. Mais il y a évidemment son pendant, la section d'investissement. Donc là, on retrouve les 524 768,90 euros de capital restant dû que nous équilibrons de la manière suivante sur des opérations en chapitre 20, 21 et 23. Donc vous avez le détail en dessous que je vais vous donner et 250 000 qu'on inscrit au chapitre 24 sur des produits de cession et d'immobilisation. Je y reviens immédiatement. Donc l'ajustement des crédits inscrits en dépenses est nécessaire pour procéder aux opérations comptables liées au remboursement du prêt selon le détail suivant.
Donc, opération réelle. On a bien vu, chapitre 16, dépenses des 524 768,90 €. On vient de le voir précédemment. Là, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on équilibre ces 524 768,90 €. Donc, comme je vous l'ai dit, chapitre 21, chapitre 20 et chapitre 23. Dans le chapitre 21, pardon, vous retrouvez deux opérations. L'acquisition diverse, où là, par rapport à ce qui avait été voté initialement, on retire de cette opération 49 52 200 €. Idem sur la vidéosurveillance. Là, c'est pareil, enfin, très, très, très simple à trouver, 22 568 €, puisque la vidéosurveillance sur cette année, ce ne seront que l'installation de caméras, mais pas de mise en service. Donc, il n'y aura pas de dommages particuliers. L'informatique, je remercie Grégory de nous avoir trouvé 20 000 et d'avoir réajusté les réels besoins de la commune, ce qui nous permet de modifier et de diminuer l'opération 68 de 20 000 €. La réfection du gymnase pour l'opération 90 à hauteur de 10 000 €. Pareil, il y a des réajustements qui sont faits et on est un peu plus dans la vérité avec les devis qui nous arrivent et qui sont confirmés. Réfection du gymnase en travaux, 70 000 € sur l'opération 90. Là, c'est pareil, c'est du réajustement. Et 100 000 € sur l'opération 93, qui sont les équipements sportifs, ça concerne la piste d'athlétisme. Qui ne se fera pas en 2023, c'était une quasi-certitude, en 2022, qui se fera plus tard, puisque la Fédération française d'athlétisme est venue. Enfin, ça paraît un peu plus compliqué que ça ne l'était, qu'on l'avait imaginé initialement. Donc, cette opération ne se fera pas, ce projet ne se fera pas. Et donc, il est finalement assez simple de récupérer 100 000 € sur l'opération 93. Ne se fera pas cette année. Ne se fera pas cette année. Début pardon. D'année prochaine. Ok, bien. Parce que M. Daoukast, s'il regarde, il va m'appeler tout de suite. Et il très va... bien. Donc, pas je confirme que la piste d'athlétisme est décalée à l'année prochaine. Sera, voilà. Voilà, le temps qu'on on lance le marché, on n'aura pas besoin de ce montant tout de suite. C'est pour exactement. Ça qu'on l'a décalée. Voilà. Absolument. Elle sera décalée d'un an. Donc, on tombe bien sur nos 274 768,90 € pour équilibrer la section d'investissement. Avez-vous des questions sur cette DM? Oui, Alain. Un commentaire, Monsieur Detrait. Vous m'avez expliqué tout ça en long, en large, en travers, durant la commission finances. Mon jugement, c'est que cet essai de renégociation, c'est un fiasco, d'une certaine manière. Alors, certes, pas forcément tout à votre responsabilité, mais je suis quand même obligé de soulever le fait, c'est qu'on a un IRA à payer de 155 000 €, ce qui est quand même significatif, et que la conséquence, c'est quand même un retard supplémentaire dans la vidéosurveillance. On sait que ça, c'est quelque chose qui est assez important pour la commune depuis plusieurs années. Et puis, la réfection du gymnase et les équipements sportifs qui sont reportés. Bon, c'est dommage parce qu'on avait quand même voté pour cela en début d'année. Alors, c'est pas un report des travaux, etc. C'est juste un réajustement sur les montants initiaux qui ont été votés au BP. Donc, il y a un réajustement. Les travaux du gymnase vont se faire et on a eu la confirmation encore cet après-midi que les travaux de la toiture vont vraiment se faire très rapidement. Donc il n'y a pas sur la réfection du gymnase et les réfections du gymnase au niveau des études. Les études, elles se font, sauf qu'on avait prévu un budget initial et que la bonne nouvelle pour une fois et qu'on en a des bonnes, c'est plutôt bien, c'est que ça va nous coûter moins cher que prévu. Et la réfection du gymnase sur les travaux, c'est pareil, c'est un réajustement Oui. Et sur la vidéosurveillance, pour bien préciser, c'est un montant qui avait été provisionné pour faire la maintenance du système qui va être installé. Seulement, on est toujours lié à la société SPPcom que vous connaissez jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on a déprovisionné ce montant parce qu'en fait, on va rester avec notre marché historique juste à la fin de l'année. Et on aura un nouveau marché qui sera passé à partir de décembre. Donc, on n'avait pas besoin de ce montant qui était provisionné. Et après, quand même, pour vous répondre sur un deuxième aspect, vous jugez que cette
ce refinancement a été une mauvaise opération. Je tiens quand même à préciser que c'est, malgré le changement sur ce quatrième crédit avec la remontée des taux, c'est une opération qui a permis à la ville de gagner de l'argent et qui a permis de désendetter le montant qui était dû par la commune. Exactement, Stéphane. Donc, absolument. Au final, Alain, la commune, on a, avec ses refinancements, et malgré ce non-refinancement du quatrième emprunt de l'ASFIL, on désendette quand même au final la commune de 195 000 euros sur la globalité. Donc, in fine, on désendette quand même la commune de 195 000 euros. Et avec le budget en budget de fonctionnement, au niveau des intérêts, on passe de presque 200 000 euros d'intérêts en budget de fonctionnement à moins de 100 000, à 90 000 euros aujourd'hui d'intérêts. Pour une commune qui peine à s'en sortir au niveau du budget de fonctionnement, hein, on sait qu'on est on a ce déficit structurel de fonctionnement. La décision de refinancer ces crédits, c'était, il y avait deux axes, ne pas endetter la commune, ne pas surendetter la commune, on la désendette à hauteur de 195 000 euros, et surtout libérer du fonctionnement, et on libère du fonctionnement à hauteur de 100 000 euros. Donc non, c'est pas une mauvaise opération au final. Là, je suis d'accord, Alain, que ces 155 000 qu'on va devoir payer en fonctionnement sur un one-shot cette année, c'est pas une bonne nouvelle, mais au final, ça reste une bonne décision malgré tout. Je vais te laisser faire le vote. Oui. Merci. Je propose que nous passions donc au vote. Qui est contre ? Par chapitre. Ah, par chapitre ? Oh là là, bah oui, bien sûr. Alors, par chapitre. D'accord, très bien. Et oui, bien sûr. Et oui, on vote par chapitre. Comme d'habitude. Forcément, bien sûr. Donc, chapitre 21, opération 49, moins 52 200 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Opération 66, vidéosurveillance, moins 22 568,90 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Opération 68, informatique, moins 20 000 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Opération 90, réfection du gymnase sur la partie études, moins 10 000 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Opération 90, toujours, mais sur la partie travaux, moins 70 000 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Et enfin, opération 93, équipement sportif, moins 100 000 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Merci pour ces votes. Merci à toi Stéphane, le maître du vote par chapitre. Nous passons donc au lancement de la consultation pour l'élaboration du décret fixant la liste des communes concernées par le recul du trait de côte. Alors c'est un dossier qui a été géré notamment par Madame Buria et par Madame Savy, avec pas mal de réunions à ce sujet. Je vais vous lire la note explicative, ça me semble être le plus parlant. À la demande de Monsieur le maire, Madame Savy expose à ses collègues que la loi climat et résilience en date du 22 août 2021 contient un important chapitre consacré aux zones côtières. Élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, elle prévoit notamment la mise en place d'une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Dans ce cadre, les services du ministère et de la transition écologique engagent actuellement la consultation des communes sur le projet de décret fixant la liste de celles prioritairement concernées par le recul du trait de côte. Cette liste déterminera les communes dont l'action en matière d'urbanisme et de politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. La commune de Saucé-les-Pins, en tant que commune côtière, bien entendu, a été intégrée à la liste des communes particulièrement concernées par le recul du trait de côte. La préfecture a saisi la commune par courrier du 2 décembre 2021 afin que son assemblée
délibérante soit consultée sur cette intégration. L'assemblée délibérante, c'est nous, pour ceux qui l'auraient pas, encore compris. La commune ne souhaite pas s'opposer à celle-ci au regard des conséquences importantes du changement climatique sur nos territoires et de la problématique du recul du trait de côte inhérente à ce dernier. Néanmoins, la commune sollicite un accompagnement fort des services de l'État dans la mise en œuvre de cette nouvelle compétence qui était auparavant gérée par ces derniers par le biais de prévention, des plans de prévention des risques littoraux. Cet accompagnement se formalisera conformément à la loi Climat et Résilience par la signature d'une convention avec l'État pour accompagner le transfert de cette nouvelle compétence. Comme souvent, l'État nous donne des compétences, mais pas forcément de l'argent. On commence à être habitué. Alors, à Saussay-les-Pins, on a une petite, je ne vais pas refaire l'histoire géographique et sédimentaire de notre belle commune, mais vous savez qu'on a une petite particularité, contrairement à nos voisins de la Couronne ou de Carry, qui ont des falaises abruptes en bord de mer où la mer va venir taper et ronger les falaises. Nous avons la chance d'avoir un littoral qui rentre dans l'eau de manière un peu moins rapide. Moins abrupte et plus lente, à part sur quelques parties, hein, notamment au niveau de l'Ariano. Et ça nous permet, si vous voulez, d'avoir donc une résilience au recul du trait de côte qui est importante, mais qui n'en est pas moins à surveiller et qui reste un problème à part entière pour nous tous et qui reste demain vraiment quelque chose sur lequel nous devons travailler. Ça fait des années que c'est un sujet qu'on voit venir, mais sur lequel il n'y a pas beaucoup d'action qui est faite par l'État. Aujourd'hui, il nous le transfère. Pour qu'on le gère comment, pour qu'on fasse quoi, je vous avoue que je suis un peu dubitatif là-dessus, puisque ça demande des moyens colossaux de renforcer les falaises, de faire des choses comme ça, dont on ne dispose pas au niveau communal. Donc on attend un petit peu de voir, on a eu un guide très intéressant qui nous a été fourni, on attend de voir aussi les services de l'État revenir vers nous et nous indiquer qu'est-ce qu'ils attendent des communes sur cette place-là, sachant qu'on a la chance, nous, en Méditerranée, d'avoir un phénomène qui est beaucoup moins rapide que sur les côtes atlantiques ou normandes, par exemple, qui sont très touchés du fait de leur structure géologique. Et on espère donc nous recevoir surtout un accompagnement. C'est bien ce qu'on dit dans la note de synthèse, puisqu'aujourd'hui l'État nous présente tout un tas de problématiques. On est assez étonné de devoir se retrouver à gérer des choses aussi importantes au niveau communal. Et on attend vraiment d'avoir une réponse là-dessus. La réponse viendra probablement dans le fait de se mutualiser entre communes, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas répondre, nous, directement, ville de Saussay-les-Pins, à l'État. Madame Campana, je présume, avec plaisir. Et alors moi, j'ai vu avec intérêt, j'ai lu la loi Climat et Résilience, donc j'ai vu avec intérêt cette intensification des actions lancées par le Grenelle du littoral. Donc moi, ce que j'ai vu, effectivement, que les communes, donc enfin, pour moi c'est une évidence que Saussay est concerné, il y a les falaises à l'ouest, à l'est de la commune, il y a le littoral, on a bien vu les effets sur les paillotes et le problème qu'on a sur certains secteurs, les micro-falaises après l'ermitage, et puis on a bien déplacé la route côté ouest de la commune justement à cause de ça. Donc moi je considère qu'on est très concerné par ça, et en termes d'urbanisme, il y a des permis qui ont été refusés sur certains secteurs à cause de ça. Donc moi j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dans le document et j'ai vu que les communes devaient réaliser une cartographie d'évolution du trait de côte à échelle, à échéance 30 ans et 100 ans et 300 ans, non 100 ans. Ça, la bonne nouvelle, c'est que ça nous a déjà été fourni par la DDTM et tout ça. Vous étiez à la Réunion d'ailleurs, je crois. Tout à fait, oui. Moi, je m'interroge, j'ai lu aussi, enfin, nous avons intégré, nous sommes dans un EPCI, hein, donc dans la métropole. Il y aura des modifications de PLUI à faire en fonction de ce qui aura été détecté, des enjeux identifiés et des actions à mettre en œuvre, qui ne sont pas forcément des renforcements, ça peut être des déplacements. Ils ont fait ça à l'E4 et ailleurs. Donc je m'interrogeais sur la part de la métropole dans cette démarche. Moi, j'ai cru lire que s'il y avait plusieurs communes qui étaient dans un EPCI et qui faisaient partie des communes identifiées dans le cadre du décret, c'était l'EPCI qui prenait en charge les études. J'ai trouvé ça intéressant pour nous, parce que c'est quand même assez technique ce genre d'études. Donc je voulais savoir un peu ce qu'il en était. C'est ce que je disais en introduction. Alors, vous spoilez un peu, comme dit les jeunes, Madame Campana, puisque nous avons posé la question et nous n'avons pas encore eu le retour. Là, c'est un peu le jeu de ping-pong entre le conseil de territoire et la métropole, pour savoir si c'est plutôt la métropole qui va s'en charger
ou si ça va continuer d'être géré au conseil de territoire, sachant que le conseil de territoire est censé disparaître au 1er juillet, donc à la fin, ça sera métropolitain. Comme souvent dans ces affaires métropolitaines, la solidarité n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, puisqu'en fait, les communes métropolitaines qui sont concernées sont les anciennes communes de l'ensemble de la communauté urbaine qu'on appelait MPM, et les autres conseils de territoire ne sont pas concernés par ces questions-là. Donc normalement, ça va être pris en charge au niveau de la métropole, on l'espère en tout cas, parce que nous, on va avoir beaucoup de mal sinon derrière à produire toutes les études qui nous ont demandé et tout ça, on n'en a pas les moyens par rapport à notre service. Cependant, pour l'instant, j'ai pas de réponse à vous donner puisqu'on n'a pas eu de retour sur ce côté-là. C'est vrai que la métropole en ce moment, avec la réforme de la loi 3DS, est un peu dans un état de confusion, donc on attend leur retour là-dessus. Il y a certainement un service là-bas qui va s'en saisir, et quoi qu'il en soit, nous on reste surtout en relation très étroite avec nos collègues de Carie, d'Ansuès et du Rove qui sont aussi concernés et sur lequel on essaye d'obtenir des conseils ensemble et de travailler vraiment ensemble, parce que c'est un sujet très technique et assez compliqué et sur lequel nos petites communes ont quand même du mal à avoir des techniciens et des gens qui sont capables, comme vous disiez par exemple, de modéliser le trait de côte à 50 ans. On a été bien content que ce soit la préfecture qui fasse cette étude pour nous, parce que si on avait dû demander à un employé municipal de la faire, on aurait été un petit peu embêté. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, toujours mutualisation, et là effectivement on est en attente de retour de la métropole. Je propose qu'on passe au vote. Je viens de tomber sur un article justement de cette loi qui dit que si une ou plusieurs communes des communes de l'EPCI, c'est ce que vous avez dit. PCI, c'est la commune, c'est l'EPCI qui le fait. C'est ce que dit l'article. Le truc, c'est comme on est en ce moment encore et en attendant l'application de la loi 3DS dans un enchevêtrement de PCI, si je puis me permettre l'expression, avec le conseil de territoire et la métropole, donc sur Saulce-et-les-Pins, on attend que la pelote de laine soit démêlée pour savoir qui va s'en charger, mais effectivement, ça sera géré un petit peu plus haut. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer, Monsieur Biquiré, je sais, avait bien potassé son dossier et aurait été ravi de présenter cette délibération. Nous allons donc présenter les subventions aux 67 associations saucétoises qui ont sollicité le soutien financier de la ville, avec une enveloppe qui a été réduite depuis 2021. Donc qui est passé de 90 000 à 85 000 euros, donc qui a été réduite, mais pas de manière drastique, et vérifiée donc sur certains des éléments là-dessus. Et donc, suite aux réflexions qui avaient été faites par M. Levinspul l'année dernière, on va être obligé de faire association par association, afin que certains... Non ? Ah, c'était bon, finalement ? Oui, c'est bon. J'ai la liste au vote. Donc ceux qui sont membres d'associations qui ont demandé des subventions, je crois que ça concerne M. Amban et Mme Maraini, si je ne dis pas de bêtises. Et Mme Walter, c'est tout ? Allez. Non. Voilà. Non. Voilà. Donc ne prenons pas part au vote, Mme Maraini, M. Amban et Mme Walter. Tu peux aller boire un coup, Serge, si tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ces attributions ou est-ce qu'on peut passer au vote ? On vous écoute, Monsieur Herpin. C'est pas les membres d'une association qui ne peuvent pas. C'est les membres du bureau. Du bureau. Oui, ouais, c'est bien. Voilà. J'ai fait un petit abus de langage. Donc, Madame Walter pour le badminton, Monsieur Amban pour le souvenir français, Madame Maraini pour les petits. Loufanao. Non, pirouette cacahuète. Tu voulais me le faire dire, c'est ça ? Pour pirouette cacahuète, ne prenons pas part au vote. Mais si chez vous aussi, il y a des gens qui sont concernés par ces subventions aussi, qui ne prennent pas part au vote, c'est suite à la remarque qui avait été faite l'an dernier. Bien que vous le voyez bien dans le listing, on est quand même sur des montants qui, d'année en année, varient très très peu. Et on est quand même à Saulce-et-les-Pins sur une continuité dans le partenariat qui lie la mairie et les associations. Voilà. Une petite question que j'avais soulevée durant la réunion avec M. Detrait, c'était la subvention relative au CCAS. Et donc, j'ai eu une réponse qui dit que le BP prévoit un montant de 123 000 euros, dont taxe. En 2021, il y avait 149 753 euros.
Donc là, il y a une baisse. On me dit qu'il y a une baisse aussi liée à un ABS. Alors l'ABS, je suppose, c'est un abus de bien social, c'est ça? Analyse des besoins sociaux. Ah, toujours ce, qu'on avait ce qui a été présenté longuement par le monsieur la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'était un peu long. Non, parce que ABS a d'autres significations. Voilà, donc, rien d'automoto. Là-dessus, je profite, je me suis fait souffler par Jean-Louis. Donc, monsieur Herpin est convié demain au conseil d'administration du CCAS où sera présenté le budget. Et s'il y a un écart à ce niveau-là, c'est parce qu'avec la pandémie, le CCAS a dégagé un excédent important sur 2021 et donc sur 2022. Il va, avec cet excédent, pouvoir avoir un équilibre budgétaire malgré une subvention en baisse. Donc c'est pour ça que vous mettez moins de subventions. C'est ça. Merci, c'était ma question. Voilà. Et demain, tout sera présenté en détail au conseil d'administration. Je pense qu'Étienne sera là, comme d'habitude. Ah bon, tant pis, une prochaine fois. Je propose donc qu'on passe au vote sur les subventions communales. Oui. Ah, c'est la première fois que ça apparaît en détail tout ce qui est donné aux associations. Mais écoute, avec les montants de l'année dernière aussi, pour comparatif, ça nous paraissait important. Donc on va passer au vote, excusez-moi. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie, et nos associations aussi. Vous pouvez donc revenir dans le jeu, Elisabeth, Serge et Marie-Laure. Hein. On passe cette fois-ci au recrutement des saisonniers pour la période estivale. Durant la période estivale, la population sur la commune de Saussay-les-Pins augmente de manière significative. Vous n'êtes pas sans le savoir, mes chers amis. De plus, la commune a récupéré la gestion de l'entretien des plages depuis 2020, car la métropole Aix-Marseille-Provence, et notamment le conseil de territoire qui faisait cette activité auparavant, a informé les collectivités que les charges liées à cette mission leur incombaient. C'est-à-dire que pendant des années, la métropole a nettoyé les plages, et depuis notre arrivée, enfin, ça a été concomitant avec votre arrivée, mais ça n'a rien à voir avec nous, je tiens à le préciser. La métropole n'assure plus le nettoyage des plages et c'est quelque chose qui est revenu dans les compétences communales. Enfin, afin d'offrir aux habitants toutes les prestations auxquelles ils sont en droit de prétendre, ainsi que le remplacement des agents titulaires faisant valoir leur droit à congé, il est nécessaire de créer des emplois saisonniers afin notamment d'assurer le tir à l'eau en faveur des personnes à mobilité réduite, d'assurer la manutention lors des manifestations et enfin de nettoyer les plages. Le nombre d'employés nécessaires a été estimé à 40 sur les mois de juin, juillet et août. Ces emplois seront pourvus par des agents contractuels de la fonction publique territoriale. La rémunération sera fixée par référence à l'indice brut afférent au premier échelon du grade correspondant à chacun d'eux. Il n'est pas nécessaire de définir un niveau de recrutement pour ces emplois dans la mesure où l'accès à ces grades se fait sans concours ni examen. La durée hebdomadaire de travail est de 30 heures et ces recrutements seront faits sur 2 semaines, comme ça a toujours été le cas. Les dépenses afférentes à la création de ces postes sont prévues au budget de la commune, au chapitre 012. Il est donc proposé aux membres du conseil d'approuver cette délibération et donc le recrutement de saisonniers cet été, comme ça se fait depuis un certain nombre d'années, avec, vous l'aurez sans doute remarqué, une petite baisse du nombre d'emplois, mais... On a quand même essayé de garder un maximum de monde, ça nous paraît important. Je précise, puisque je suis filmé, que nous avons reçu déjà un certain nombre de candidatures et que nous favorisons les personnes qui n'ont jamais travaillé à la mairie de Saussay-les-Pins. Ça sera le facteur de choix principal, ça sera de ne jamais auparavant avoir travaillé. On fera un tri dans ce qu'on a reçu, bien entendu, par rapport au nombre de candidatures et au nombre de postes qui sont à pourvoir. Mais le facteur qui sera primant pour ces personnes, ça sera de ne jamais avoir travaillé à la mairie. Et aussi, on essaiera d'encourager c'est plutôt des adolescents, dont c'est le premier emploi, qui n'ont jamais eu de contact avec le monde du travail. Ça nous paraît être important d'être ce vecteur de premier contact avec le monde du travail et aussi d'essayer de faire travailler un maximum de mondes différents et que tous les ans, ça ne soit pas les mêmes qui reviennent. Ça nous paraît normal. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? On est sûr de l'habituel. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons sur une délibération un petit peu équivalente, hein, qui est donc les saisonniers pour l'école de voile. L'école municipale de voile fonctionne depuis 2008, du mois d'avril au mois de septembre, et quand même pour la saison 2021, de reconduire les 3 emplois saisonniers nécessaires au bon déroulement du service public. Il y a lieu de créer 3 emplois saisonniers à temps complet, un emploi de responsable de la base nautique pour 6 mois, un emploi de moniteur de voile sur une période de 6 mois, et un deuxième emploi de moniteur de voile sur une période de 2 mois.
mois. Je précise ici, sans lire toute la note explicative, que cette année, enfin, on a réussi à mettre en place, notamment avec Jackie, des nouveaux plannings et l'école de voile sera ouverte le dimanche. Ça nous semblait quand même être quelque chose d'important à mettre en œuvre, puisque c'est un service qu'on propose aussi aux touristes et aux gens qui viennent pour la journée. Donc les nouveaux plannings et l'arrivée de cette troisième personne permettront enfin d'avoir aussi une ouverture le dimanche sur une journée où on espère récupérer un certain nombre de rentrées. Deuxième élément qui nous paraît très important aussi, qui est mis en œuvre cette année, nous disposerons enfin à l'école de voile d'un terminal de carte bleue. Nous pourrons donc payer les locations en carte bleue enfin. Donc on espère grâce à ça augmenter les recettes correspondant à la dépense que nous faisons avec ces trois emplois saisonniers et offrir une opportunité. Il y aura certainement une journée porte ouverte à laquelle l'ensemble des élus seront conviés. Donc j'ai hâte de vous voir sur une planche à voile ou un paddle, mes chers amis. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? Non. Je propose que nous passions au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Alors on passe à la mise à jour de la durée légale du travail, qui est quelque chose d'un petit peu technique, qui a été donc évoqué lors du dernier comité technique. L'article 47 de la loi du 6 septembre 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes dérogataires à la durée légale de travail, obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec cette législation. Les collectivités disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc on a un nombre de jours annuels de 365 avec 104 jours de congés hebdomadaires, 25 jours de congés annuels, 8 jours fériés, ce qui nous fait un nombre de jours travaillés de 228. Fois 7 heures, ça ne fait que 1596 heures, plus la journée de solidarité, ça fait 1607 heures et on est bien au montant. Sur les durées hebdomadaires, 48 heures garantie minimale, donc c'est 48 heures, heures supplémentaires comprises, 44 heures en moyenne sur les périodes quelconques de 12 semaines consécutives. La durée maximale quotidienne, c'est 10 heures, l'amplitude, c'est 12, le repos, c'est 11 heures minimum. Le repos minimum hebdomadaire, c'est 35 heures, dimanche compris en principe. Les temps de pause sont de 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif quotidien. Le travail de nuit est une période de temps qui est comprise entre 22 heures et 5 heures. Oui, une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures, et 7 heures du matin. Là-dessus, il a été annexé une petite nouveauté qui nous paraît intéressante de mettre en place et de défendre pour nos amis de l'administration. C'est la création donc au niveau des services administratifs d'une plage horaire de 36,45 heures. Alors à quoi ça sert? Ça permet donc de créer une dizaine de jours de RTT dans l'année pour les agents et donc d'avoir une présence plus importante et en même temps des jours de repos plus importants pour augmenter au final la productivité, ce qui nous paraît intéressant. Au niveau du service technique, il y a deux cycles de travail qui sont prévus avec des plages horaires allant de 7h45 à 17h. On n'a pas souhaité mettre dans ce document les horaires d'été pour le service technique, qui sont une vieille habitude et qui révèle en fait d'un régime d'exception. Donc on a préféré le garder en régime d'exception pour pouvoir le déclencher quand nécessaire et parfois par anticipation. Donc il n'est pas acté dans ce document. Au niveau de la crèche, on est à 37 heures sur 5 jours avec les jours de repos inhérents aux différentes vacances scolaires et aux fermetures. Les agents de police donc sont annualisés avec un planning qui est remis en œuvre toutes les semaines, avec quand même un délai pour eux de visibilité de 4 mois. Donc on essaye pareil d'avoir quand même un système d'organisation qui permet un confort pour les agents qui travaillent chez nous. Et donc les ATSEM avec des périodes hautes qui sont le temps scolaire et des périodes basses qui sont les périodes de vacances pendant lesquelles l'agent pourrait être amené à réaliser diverses tâches différentes. Au niveau de la journée de solidarité, on s'est aperçu que la journée de solidarité était offerte par le maire depuis un certain nombre d'années aux employés. Malheureusement, avec cette nouvelle loi que j'ai citée donc en introduction, c'est plus possible et on est obligé de garantir que l'ensemble des heures soient effectuées. Et donc, il a été décidé lors d'un comité technique avec nos relais et les représentants syndicaux que sont M. Kabaradjian, Mme Cathy Tomasi et Madame Laura Chiricconi,
d'avoir une période de 14 jours sur lequel on augmenterait le temps de travail de 30 minutes par jour, ce qui permettrait, selon les services, de faire face à des coûts à des moments un petit peu plus intenses. Je pense par exemple pour le service de la comptabilité à la clôture comptable, ça permettrait d'avoir un petit peu des heures sup là-dessus sur ces moments qui sont importants selon chacun des services. Et donc la journée de solidarité sera effectuée de cette manière, c'est-à-dire 14 jours où les agents travailleront 30 minutes de plus, puisqu'ils souhaitaient absolument conserver ce jour de Pentecôte et ce jour de solidarité chômé. Voilà, j'espère avoir été clair, c'est une délibération qui est assez technique. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Non? Tant mieux. Qui est contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. On arrive à une dernière délibération donc qui est un petit peu technique là aussi. Le conseil municipal peut décider de mettre en place l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale visée par l'arrêté du 27 février 1962. Précise qu'il ne peut bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et les consultations par voie de référendum. Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection est calculé dans une double limite. D'un crédit local obtenu en multipliant la valeur minimum, maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuels du cadre d'emploi des attachés territoriaux, les IFTS de deuxième catégorie, par le nombre de bénéficiaires. D'une somme individuelle au plus égale au quart des indemnités forfaitaires annuelles pour travaux supplémentaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Les dispositions de la présente délibération prendra effet le 8 avril 2020, donc proposé aux membres du conseil municipal d'instaurer cette indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Donc pour être très clair, ça concerne M. Ibanez ici présent, puisqu'il n'est pas, en tant que DGS et qu'emploi détaché, éligible à l'indemnité horaire classique qui sera versée aux agents qui viendront nous prêter main forte pendant les élections. Et comme il assurera le suivi administratif, je demande de mettre en place une indemnité forfaitaire. Donc en fait, il sera payé le même montant que les autres, tout comme les autres, mais en fait, on ne pouvait pas utiliser le premier moyen qui avait été utilisé pour les autres agents administratifs. Je ne sais pas si c'est clair. Pardon. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà l'objet de cette délibération, c'est de pouvoir indemniser M. Ibanez pour sa venue dimanche pour les présidentielles, puisqu'en tant que DGS, il ne pouvait pas l'être. Est-ce que j'ai été clair? Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Avant donc de lever la séance, je propose de passer aux questions écrites. Donc je vais laisser M. Amban répondre à la première question. Le 11 mars est la date de la cérémonie nationale des victimes du terrorisme en France. Serge, avez-vous prévu de créer une cérémonie ce jour-là dans la commune? Un, deux, ça marche? Oui. Comme vous le savez, on fait une dizaine de commémorations à Saulce-les-Pins. Et à la demande du préfet, on fait une dizaine de commémorations et de manifestations sur le département. Concernant cette date, nous sommes présents le 11 mars à cette commémoration. Donc c'est sur un lieu haut de symbolique, car le 1er octobre 2017, il y a deux jeunes filles qui se sont fait assassiner. C'était Mourad, qui avait 20 ans, et sa cousine, qui avait 21 ans. Donc voilà, on est proche des familles, on est proche sur ce lieu pour commémorer. Donc on est déjà une délégation de Saussée. Donc je vous invite, si vous voulez nous joindre à vous l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. Donc il n'y a pas de cérémonie, ce que tu nous expliques, c'est qu'il n'y a pas de cérémonie dans la commune, puisqu'en fait on va sur place, nous, faire la cérémonie. Sur un lieu de mémoire. Directement, voilà, j'espère que ça répond à la question. On passe à la question numéro 2 qui est l'avenue Jean Monnet. Plusieurs riverains nous ont contactés concernant l'état très dégradé de la chaussée et des parkings. Plusieurs demandes ont été disposées auprès de la mairie de Saulce-les-Pins. Avez-vous prévu une date pour ces travaux? Donc M. Abran est passé cette semaine et je te laisse Robert expliquer ce que tu as pu déjà expliquer à M. Rousseau. Oui, concernant Jean Monnet, on connaît bien le souci. Jean Monnet, il y a trois pins. Ils sont sur une jardinière. Ces trois pins ont des racines et ces racines vont sur trois places de parking. L'avenue par elle-même, elle n'est pas trop abîmée, même elle est correcte. Il y a juste cet endroit-là qui est problématique. Il y a également deux pins qui se trouvent sur les trottoirs et en plein au milieu des trottoirs. Donc notre priorité
c'est quand même la chaussée. Donc, grâce à M. le maire, parce qu'il faut le dire quand même, par rapport au budget qui nous est alloué chaque année, qui tourne aux alentours de 300 et quelques mille euros, ben, M. le maire a réussi à avoir 100 000 euros de plus cette année sur ce budget-là. Donc, par rapport à ça, il y a pas mal d'autres trucs et de travaux qui vont être mis en place. Jean Monnet faisait partie justement de ces travaux, mais pas prioritairement, parce que la priorité, c'est quand même la chaussée. Comme vous avez sur Jean Moulin une racine qui est en plein au milieu de la chaussée, pour nous, c'est prioritaire, parce que là, c'est dangereux. Hein. Voilà, donc on l'a quand même planifié avec d'autres travaux au niveau de chaussée, des gros travaux qui vont avoir lieu d'ailleurs à Pâques, et qui ne seront pas financés par la métropole, qui seront financés par le conseil départemental. Là, toujours pareil, c'est la sécurité, c'est la chaussée. Quand vous allez à la plage des Baumettes, dans le virage de la plage des Baumettes, vous voyez cette chaussée qui est très, très, très abîmée. Donc, toute la chaussée va être reprise sur l'avenue de l'Europe, voilà, jusqu'au niveau de l'école Jules Ferry. Et ça, c'est le conseil général, toujours pareil, grâce à M. le maire qui va et qui se déplace et qui fait en sorte qu'on arrive à avoir des subventions pour pouvoir faire des travaux et des travaux assez conséquents. Merci Monsieur Abram pour ces précisions. Est-ce que je pourrais vous poser une question? J'ai été désigné comme membre de la commission de travaux, elle ne s'est jamais réunie, ce serait peut-être intéressant. Là, vous nous donnez un certain nombre d'informations. Ça aurait été intéressant d'avoir la réunion de cette commission de travaux pour qu'on ait un peu la connaissance de tous ces chantiers dont vous nous parlez. Bien reçu, Madame Bertrandi. Et cette commission, d'ailleurs, je l'avais demandé à M. le maire. Bon, on ne l'avait pas organisée jusqu'à présent. On va la mettre en place. J'espère la mettre en place avant le début mai. Voilà. Merci, Robert, donc, pour ces éléments de retour. Et donc, pour répondre précisément à la question, normalement, ces places de parking qui avaient posé des soucis seront bien intégrées dans le programme de cette année. On attend le chiffrage. On espère qu'il ne sera pas trop important. Mais s'il est au prix des places de parking habituelles, on pourra faire cette rénovation à cet endroit-là. On attend le chiffrage. Je passe à la question numéro 3, Tribune des logements. Nous avons appris qu'une de vos élus bénéficie d'un logement municipal. Cela n'est-il pas en opposition avec la charte des élus que vous avez signée en début de mandat? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème sérieux de déontologie? Plus généralement, il existait une commission des attributions des logements sociaux où l'opposition était présente et les dossiers rendus anonymes. Donc je présume que vous parlez de notre cher collègue Dominique ici présent. Donc je tiens à préciser que le coût annuel d'entretien du stade était de l'ordre de 36 000 euros par an. Qu'aujourd'hui cet entretien est effectué directement par le club. Et que oui, effectivement, Madame Pignatel a le malheur d'être mariée, d'être la concubine d'être la concubine de la personne qui gère l'intendance du club et que le club a décidé de mettre dans ce logement. Donc, pour rappel, 37 911 euros dépensés pour l'entretien du stade en 2020. Le stade va nous rapporter 3 600 euros. Dès cette année. Et il y a donc bien une convention donc, qui est jointe et que je vais vous faire passer immédiatement pour éviter qu'après on me dise que j'ai oublié. Donc là, je l'ai imprimé tout de suite, je vais vous la donner avec tous les éléments juridiques qui permettent de voir ça. Concernant la commission d'attribution des logements sociaux, je vous confirme notre volonté de continuer de faire travailler cette commission d'attribution. La bonne nouvelle, c'est que normalement, les fameux 7 logements derrière Villa d'Est que nous attendons depuis maintenant 2 ans devraient nous être livrés normalement à la rentrée ou en fin d'année. Et il y aura bien une commission d'attribution pour ces 7 logements. Sur les 7 logements, il y en a 3 dont la mairie est attributaire et donc il y aura bien ces 3 commissions-là. Par contre, je tiens à préciser, parce que ça me paraît très important, que depuis que nous sommes arrivés à la mairie, il a été attribué sur Saussée-les-Pins, sur l'ensemble du parc de logements sociaux. Il y a eu 12 nouveaux logements qui ont été attribués, toujours sur des contingents qui n'étaient pas les nôtres, à savoir des contingents de la préfecture, des contingents de la métropole ou des contingents des bailleurs. Donc nous avons été invités aux commissions, mais là aussi nous étions spectateurs et nous n'avions pas vocation à proposer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de commission en interne. Par contre, quand c'est la mairie qui est attributaire des logements et que c'est des logements de mairie, on mettra en place systématiquement cette commission dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, mes chers collègues, je vous remercie d'être venus ce soir. Ça n'a pas été si long que ça, donc merci quand même. Merci pour votre travail au quotidien. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une journée qui s'annonce longue et harassante. Merci à tous.